Bon, j'ai menti, ce n'est pas fini pour aujourd'hui. J'ai envie de continuer à faire joujou avec Z5. Bon, du coup, je l'ai quand même mis à la ceinture. Et en effet, il a bien fallu que je resserre parce que sinon le pantalon, il se barre. Bon, on va faire joujou sur une bouteille, voir un peu ce que ça donne. Ouais, il y a une jolie pointe, ça devrait rentrer. Au niveau du tranchant, bon, je ne m'en rends pas bien compte. Justement, c'est pour ça d'ailleurs que je fais ça. C'est pour avoir une meilleure opinion, une opinion plus juste de la bête. Bon, d'accord. Bon, bah d'accord, ça rentre, hein, puis bien quoi. Il en reste. Je crois que je vais bien l'aimer celui-là. Il m'a l'air assez polyvalent, malgré son poids, ou plutôt peut-être grâce à son poids d'ailleurs. Ouais. Bon bah maintenant je vais aller faire un petit tour dans le bois derrière pour voir un peu aussi si il y a moyen de s'en servir comme hachette. À tout de suite. Bien, me voici dans le bois. Je viens d'aller marcher 2 km avec le monstre à la ceinture pour voir un peu si, vu son poids, il est gênant ou pas. Bien, en effet, j'ai dû resserrer ma ceinture d'un cran. Mais à part ça, c'est tout. Au moins, on sait qu'il est là, on le sent bien. Donc, il me faudrait aussi faire une hampe pour l'autre lame que j'ai reçue en même temps que cette Easy 5. Et donc, je vais voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc là, je crois que ça, c'est un jeune châtaignier. Il y en a beaucoup ici, donc j'essaye de prendre ceux qui, de toute façon, tôt ou tard, seront condamnés à crever, étouffés par d'autres plus gros. Là, c'est le cas. Bon, on essaye ça. Fait chaud. Merde, j'ai bougé le téléphone. Bon, ben voilà.
C'est un peu plus laborieux qu'avec ma hachette ou qu'avec mon kukri. Mais c'est faisable. Et c'est faisable, donc ça pourrait m'économiser d'avoir à transporter plusieurs lames. C'est pas mal. Hop. Donc maintenant, il faut que je ramène ça jusqu'à la yourte. Vous voyez, en passant à travers un peu de ronces et de fougères. Ça fait un moment que j'ai pas chopé de tique. Bon, on verra. Et donc je nettoierai ce jeune tronc assez près de mon campement, comme ça avec les petites branches. J'en fais un tas, je laisse sécher et ça me sert ensuite pour allumer la cuisinière à bois l'hiver. En route, mauvaise troupe, comme disait mamie. Bien, je ne trouve pas la position idéale pour coincer le smartphone pour filmer. Bon, on va essayer quand même en le gardant en main. Bon, filmer et bosser en même temps, c'est pas simple. Changer de main. C'est mes gros doigts, ça. Ça coupe, hein. Ça coupe même bien. Bon, là après, c'est le haut du jeune arbre et c'est plutôt tendre. Mais quand même, mais quand même. Comment y va-t-il faire là? Bien. Bon, à part le fait que j'ai vu un peu gros pour faire la hampe pour la pointe de lance Renegade, en tout cas pour ce qui est de l'utilisation de ce couteau, bah, il va bien. J'ai presque hâte qu'il fasse un temps pourri pour être obligé d'aller faire un peu de bois. En coupant le jeune arbre tout à l'heure, à un moment donné, je me suis dit que ça serait bien d'assurer la prise en main pour éviter que le couteau ne m'échappe. Donc là, j'ai rajouté un morceau de paracorde qui me permet juste de passer ma main. Et ça va pas être facile. Voilà. Vous voyez, ça, je trouve que le couteau il sort vraiment trop facilement. Donc voilà. Si je dois m'en servir dans les jours qui viennent pour couper des piquets ou autre, je me sentirai plus en confiance déjà. Parce que
Cela ne m'aurait pas plu du tout qu'il m'échappe des mains, pour en plus percuter l'écran du smartphone. Donc voilà, ça c'est pas mal. Il y avait un petit morceau de paracord avec une espèce de truc pour bloquer la corde. Je l'ai viré, ça me plaisait pas. Il est un peu trop campeur. Bon, là ça va pas être facile du coup de dégager cette main. Hop. Voilà. J'ai rajouté un morceau de paracord avec un petit mousqueton qui serait bien. Je vais remettre un tour de dans le nœud pour qu'il soit plus gros et que je puisse y bloquer celui-ci, ce petit truc là. Bon, bien sûr, avec une seule main, c'est pas simple. Ça me fait chier même, je dirais. Voilà. Alors, pourquoi j'ai ajouté ça? Eh bien, parce que lorsque le couteau est à la ceinture, ce morceau de paracorde supplémentaire pourrait me servir à l'assurer autour de ma cuisse. Voilà. Si je devais me déplacer en courant, que j'ai pas ce truc qui prend une balle dans tous les sens à ma ceinture. Bon. Enough for today.